papa ne sont pas là pour nous coucher. On est seul pour s'occuper. On mange des chips, des petits gâteaux, du jus d'orange et l'apéro. Les écrans sont sortis au ciné. Ils nous ont dit de pas traîner, d'aller au lit sans même regarder la télé. On monte le son, on saute en l'air, on fait la fête. On monte le son avec les filles et les garçons. On monte le son, on saute en l'air, on fait la fête. On monte le son avec les filles et les garçons. La nuit commence et c'est parti. On pousse les meubles et les tapis. On a invité les copains, on va réveiller les voisins. On a sorti toute la déco, nos tenues de super-héros. Théo a branché la sono, il mixe avec DJ Léo. On monte le son, on saute en l'air, on fait la fête. On monte le son avec les filles et les garçons. On monte le son, on saute en l'air, on fait la fête. On monte le son avec les filles et les garçons. C'est un festival qui a été créé en 2009. Maintenant, on fête les 11 ans cette année. Et on est passé sur une formule 2 jours depuis l'année dernière pour fêter les 10 ans. On accueille le samedi après-midi, on a créé les Kids du Rock. On fête les 7 ans des Kids, aussi bien par de l'atelier création que par de l'atelier maquillage avec concert. Tout est gratuit et c'est un thème qu'on défend vraiment, vraiment, qui nous tient à cœur. C'est quelque chose de local. On est tous des amis sur le petit patelin de Saint-Sauveur-l'Andelin. Et on a commencé avec notre intervenant musical François Corbelec. C'est quelque chose de festif et qu'on peut partager en famille et entre amis. Du coup, cette année, on accueille Lollipop. C'est un groupe de Rennes. C'est un bal pour enfants. Donc ça permet de connaître plusieurs instruments aussi. Et puis voilà quoi, pour nous faire danser. Cette année, il y a des nouveautés. On a une association de Coutances, Il est encore temps, qui vient faire des ateliers sur tout ce qui est gestes éco-responsables. En fait, on est vraiment dans l'idée de faire voir aux enfants qu'avec de la récupération, des choses, on peut faire des ateliers super sympas. Pendant la continuité, il y a aussi encore un nouvel atelier, c'est l'atelier fabrication d'instruments de musique. Avec des carottes. Voilà, en même temps, on grignote, on goûte. Et on a aussi cette année une nouveauté, c'est qu'on a imprimé des t-shirts pour les enfants qui sont en vente en tissu local, un coton bio local. On a aussi un atelier de jeu géant. L'idée, c'est de participer en famille, de jouer. Voilà, il n'y a pas que la danse, il n'y a pas que les activités pour les enfants, il y a aussi des activités qu'on partage en famille. Et là, du coup, en dehors du bal, il y a aussi des jeux géants. Des petits jeux, on se pose, on joue avec papa et maman, les frères et sœurs, et ça c'est à disposition et c'est nouveau aussi cette année ça. Depuis l'ouverture, on fait le maquillage, donc voilà, on s'installe, on propose plusieurs modèles. On est 4 maquilleuses depuis 7 ans, là on est 5, il y a toujours beaucoup de demandes, ça plaît aux enfants, donc on fait des petits maquillages, voilà, ils choisissent hein, un animal, une petite princesse, une petite fée, hein, suivant la mode, voilà. Et puis on essaye de faire ça au mieux et les enfants sont contents, et tout ça c'est gratuit. C'est vraiment l'idée de partager en famille, qui est un festival sur Saint-Sauveur pour les enfants et pour la famille. Dans l'idée de faire vraiment partager des moments en famille et sans qu'il y ait de choses à débourser pour y accéder. À bientôt sur tevie.tv.